C'était en 40. L'année, mon mari était militaire à Dunkerque. Il a fait la défense de Dunkerque et il est parti sur le dernier bateau qui partait de Dunkerque pour l'Angleterre. Il est parti, il a brûlé son auto-mitrailleuse à la panne et à pied, il est revenu jusque dans le port de Dunkerque. Et là, il a pris le dernier bateau. Le bateau devant a coulé et le bateau derrière a été mitraillé. Et lui, il n'y a rien eu pour lui. Ils sont arrivés à Douvres et de Douvres, il est parti après sur. Pour embarquer pour aller à Brest. Et à Brest, il est revenu par le train à côté de Paris rechercher une automitrailleuse Panhard qui conduisait. Et il est reparti dans les Ardennes. Et là, il a fait toute la retraite jusque en Dordogne.